marionnette. Cet exercice peut se jouer avec deux personnes ou plus et ça va développer surtout l'attention et également le fait de pouvoir bien être en connexion avec ton partenaire de jeu. Fait que ce jeu consiste à devoir être capable de suivre le leader, c'est le marionnettiste, et la marionnette doit être capable de suivre le mouvement. Fait que pour vous donner un exemple bien simple, je vais inviter mon ami Émilien qui sera la marionnette et je vais être le marionnettiste. Donc, suivez bien attention, je peux prendre n'importe quelle partie du corps. Là, je tire le filet vers le nez. Émilien, comme vous voyez, il suit très bien le mouvement. Et je relève ça aller. On va tirer à cette heure à partir des hanches. Oh, oh. C'est allé. Vous voyez comment cet Émilien est vraiment bien attentionné? Je tire l'épaule. Je laisse aller. Puis un dernier, on va prendre la main. Je tire la ficelle par la main. C'est très important de bien suivre le mouvement du marionnettiste. Excellent. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment simple. Vous pouvez aussi switcher de partenaire. Et c'est comme ça que ceci se fait. Merci beaucoup.